Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc intro pimpée et dans le fond, je suis dans le bureau, je viens de finir de filmer cette vidéo justement, que vous aurez vous demain. Alors, on va commencer par dézoomer un peu. Et je vais vous raconter donc mon petit week-end. Donc vendredi, une fois que je vous ai laissé, il est joué avec sa pantoufle. Je crois que c'est un peu. J'ai fait le réglage, enfin j'ai tenté de régler mes éclairages. Donc vous voyez qu'il y a encore un tout petit peu d'ombre ici, mais j'arrive pas à l'enlever. Donc ça viendra au fur et à mesure, je pense. Je vais vous inclure une vidéo de mon micro setup. Enfin micro, mon big setup, voilà. En changeant les éclairages, j'ai retrouvé mon collier infini et mon pendentif, enfin et ma chaîne Pandora avec ma licorne que je cherchais depuis des mois. Riley, en fait, elle était dans un petit, c'était dans un petit pochon et glissée derrière la patte de mon meuble. Je pouvais toujours chercher. Donc j'étais bien contente. En changeant, enfin en bougeant mes éclairages, j'en ai fait tomber un qui était déjà bancal. Donc chéri a dû me le réparer ce week-end. Et j'ai terminé mon DIY licorne juste là. Donc là j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en fond, parce que de près c'est pas top top. Hein. Je vais vous montrer pareil en close-up. Il y a des petits défauts. Après, je fais ce que je peux avec la peinture de merde de chez Action. Donc, la peinture acrylique de chez Action, à mon avis, à part si c'est peindre sur du papier, et encore, je suis même pas sûre, je ne la conseille pas du tout. Maintenant, je l'ai, il faut que j'utilise. Hein, voilà. Donc, le samedi, j'ai achevé, j'ai bombé avec les paillettes que vous avez vues dans le petit close-up. J'ai tourné un réel et le hall Shein. Et ensuite, je me suis tapé une migraine du feu de Dieu. J'ai eu très mal, jusqu'à vomir, tellement j'avais mal. Et l'après-midi, on a été chez mes beaux-parents avec le petit. Donc avec une migraine, c'est pas évident. Mais voilà, on a passé un bon moment. Le petit était déguisé en Harry Potter pour le carnaval. Et après, il nous faisait un spectacle de magie après. Voilà, c'était mignon. Et j'ai reçu également mes cadeaux de la part de mes beaux-parents et de ma belle-sœur. Donc de ma belle-sœur, j'ai reçu ce parfum-là en hibou, Queen of the Night. Donc je l'avais vu chez Action et je ne me l'étais pas acheté. Ben, du coup, j'ai bien fait. Oh, j'ai bien fait parce qu'elle me l'a offert. Donc voilà, je trouve le packaging super mignon. Et vous avez donc ici, et en plus il sent bon. Donc voilà, il va aller en déco, je sais pas où par contre, parce que... j'ai plus beaucoup de place. J'ai vraiment, vraiment plus beaucoup de place. On va le mettre ici, tiens. C'est dommage qu'il est doré, qu'il n'est pas argenté. Hein. Après, vous connaissez mon obsession pour l'argenté. Bientôt, j'aurai plus de place pour mettre des décos. Voilà, on va faire comme ça. Et du coup, après on a été chez Action, j'ai pas acheté grand chose, hein, donc je vous filme pas le haul, mais j'ai racheté un anneau lumineux parce que j'entendais un sifflement et je pensais que c'était le bloc, j'avais un bloc de micro, enfin de prise USB pour ma ring light et mon miroir, sauf que ben j'entendais ce sifflement qui m'énervait, mais c'était pas ça, c'était carrément l'anneau, la prise de l'anneau qui sifflait, et là j'en ai trouvé un pour 10€ avec le trépied et tout. J'en ai pas besoin du trépied, j'avais juste besoin de l'anneau, mais il est pas mal. Franchement, pour le prix, il a exactement la même taille que celui que j'avais avant, donc je suis contente. Et il siffle pas, ça c'est trop bien. Et le soir, on a été chercher une frite, parce que comme j'avais la migraine, moi j'avais pas envie de faire à manger, chérie non plus, donc on a été chercher une frite. Dimanche, donc hier, je me suis levée hyper tôt, à 5h30 du matin. Et du coup, j'étais bien motivée, donc j'ai fait deux commandes. Une sur Maki Beauty. Puisqu'il y avait une promo, je ne sais pas si elle sera encore en cours, mais ils le mettent sur la page d'accueil du site, les produits yeux, deux achetés, un offert en fait. Vous voyez, 3 pour 2. Et du coup, je me suis recommandé 3 mascaras Nabla.
puisque j'adore ce mascara pour mes cils du bas. Même les cils du haut, j'aime bien, mais vu le prix, je l'économise juste pour les cils du bas. C'est vraiment mon mascara préféré pour les cils du bas. Et du coup, vu qu'il est quand même 24€, en avoir un gratuit, c'est pas du luxe. Et du coup, j'ai commandé 3 après-shampoings en 9 secondes. C'est du liquide et des vitamines. Donc ça, je vous montrerai quand j'aurai reçu ma commande. Ça sera peut-être pas cette semaine parce que je risque de la recevoir fin de semaine, mais ça arrive chez mon frère. Donc le temps de récupérer. Et l'autre commande que j'ai fait, je me suis commandé donc une bague Pandora, encore, pour mes tasses de lait, avec les sous de mes groupes. Voilà, donc ça pareil, je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Ensuite, j'ai lavé mes pinceaux, j'ai fait la machine, le lave-vaisselle, j'ai fait un crumble, j'ai changé mon fond, j'ai mis le fond de printemps parce que voilà, j'ai envie de chaleur, j'ai envie de soleil. Bon, je n'ai pas changé énormément de choses, comme vous venez de voir, je viens d'ajouter la petite chouette. J'ai mis la déco là que j'ai fait, donc c'est avec du PQ, hein, je vous ai montré la, je vous ai mis le réel la semaine dernière, dans le vlog de la semaine dernière. Mon petit lapin qui va avec, que j'ai acheté chez Action. J'ai mis la licorne là. Et je crois que c'est tout ce que j'ai changé pour le fond pour l'instant. Mais j'ai fait beaucoup de DIY. Enfin, je suis encore en route pour le fond d'été. Je vais juste vous montrer les guirlandes de fleurs. Bon, je vous en montre qu'une puisque j'ai fait deux fois la même chose, pas exactement dans la même truc, mais pour l'été je vais donc mettre mes papillons, hein, que j'avais fait, que je vous ai montré la semaine dernière, et je vais également remettre mes guirlandes de fleurs. Donc je les ai juste garnies en fait, puisque normalement il n'y a que les grosses roses blanches là, normalement c'est une lumineuse, mais j'en ai une des deux qui s'allume pas, donc normalement je les mets pendre sur le côté de l'étagère. Là vous les verrez peut-être pas dans les vidéos, donc ce que je vais faire, vu que j'ai mes deux punaises où j'avais accroché les trucs, la guirlande lumineuse pour Noël, je vais les faire pendre voilà, je les mettrai ici et je pense que ça fera joli. Faut juste qu'elle arrive jusqu'en dessous, voilà. Donc ça fera joli. Et après j'ai l'autre grande oui, sur un stitch en dessous. J'ai l'autre grande que je vais faire le tour en dessous, je pense. Enfin non, c'est deux. Mais voilà. Donc, j'ai fait ça. J'ai commencé à faire des papillons aussi pour moi et les filles. J'ai mon frère qui est venu le soir. Bon, de base, il était censé venir boire un café et juste dire bonjour. Et finalement, il a mangé là. Donc, on attendait le film Inferno avec chérie pour regarder. Et du coup, on l'a pas regardé puisque mon frère était là. Heureusement, je l'ai mis enregistré. Et voilà pour mon petit week-end. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Je vous ai montré mes décos. Je vous ai raconté mon week-end. Et voilà. Ouais. Je suis en train de faire d'autres DIY, mais ça je vous les montrerai fini dans la semaine. Donc écoutez, oh, j'ai une perle qui se fait la malle là. Il y en a que j'ai ajouté des perles, mais des fois ça tient pas bien. Enfin, des perles, des boules argentées. Serré un peu. Et j'ai commencé à ranger mon bureau aussi, enfin cette zone-ci. Hein. Il y a encore tout le bordel derrière qu'il faut que je range. Mais j'ai dû faire de la place pour mes éclairages et tout ça. Et enlever un peu le bordel pour que Riley arrête de tout me bouffer. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus calme dans le bureau. Et ouais, astuce. Donc, bah écoutez, voilà, je pense qu'aujourd'hui, va rien se passer de particulier. Je pense que cette semaine va être assez calme. J'ai quelques vidéos à tourner, mais j'ai quand même pas mal d'avance encore, même que vous avez eu une vidéo par semaine pendant 2 semaines, je crois. Et après, il y a de nouveau le retour des vidéos une fois par jour pendant 3 semaines, fin du mois. Enfin, fin mars, début avril. Mais, ouais. Écoutez, je verrai bien. Là, s'il se passe quelque chose, je vous reprends. Mais sinon, je pense qu'on peut déjà switcher 2 jours. Alors, il est 10h moins 5. Et oui, je suis pas pimpée tous les jours, hein, les gars. Aujourd'hui, ça va être journée ménage. Donc, autant vous dire que j'ai pas envie de me maquiller pour ça.
Rangement, ménage, il faut que je range mon panier de linge et surveille bricolage aussi. Il faut que j'achève les devoirs de chat, comme ça il peut récupérer le reste de ses gugus ce week-end. Ça y est, elle pleure pour venir sur mes genoux. Donc ce matin, je viens de passer une heure à refaire ma pelote de laine noire puisque Riley a réussi à aller la choper sur la table. Elle me l'a traînée dans toute la maison, donc autant vous dire qu'il y avait plein de poils et plein de nœuds. C'est pas très amusant à faire. Oh, elle est chiante. Elle va essayer de bouffer mes bricolages. Hein. Et bien. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est lourde. Cette semaine, je vais essayer de vous montrer un peu les animaux aussi, les chichous, les titis. Tout à l'heure, je vais les faire sortir un peu. Les chichous ne sont pas sortis hier. Et voilà, Ryan est dans le canapé avec le cul en l'air. Qu'est-ce qu'il fait ? Pour le dépose. Oh, la poussière sur la table du salon. Ah, le poil à peler, c'est bien, mais alors ça fout de la poussière de cendre partout. J'étais pas obligé de presque me rouler une pelle. Non, touche pas. Donc hier soir, je me suis fait ma petite soirée bricolage comme j'aime bien faire et j'ai fait des papillons. J'ai pas fini, hein, ils sont pas finis. Donc j'ai fait en argenté pour moi et Amy et en doré pour Manon, puisque Manon préfère le doré. Arrête ! Oh ! Donc j'ai juste coupé deux bouts de carton que j'ai collé. J'ai peint avec de la peinture qu'on a ici normalement au mur. J'ai mis de la peinture métallique dessus, métallisée. Un peu, je crois. Arrête ! Et voilà, j'ai fait les petits détails comme ça, des arabesques. Et là, je vais faire un tour en laine pour cacher la partie du truc. Et il faut que je refasse les antennes. Parce que là, j'avais collé juste deux petits bouts. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais mettre dans l'autre sens. Sur la perle, mais le problème, c'est que ben, les autres n'ont pas tenu. Donc celle-là ne tiendra certainement pas non plus. Pourtant, j'ai limé un petit peu le haut. Mais je vais essayer de trouver une autre solution. Et j'ai fait le truc en fil de fer pour que ça tienne posé. Donc voilà. Il faut que je refasse des bricolages aussi, vous savez, en carton avec du plâtre. Et j'ai fait ça aussi. Je dois encore le bomber. Je suis en train d'en faire un deuxième. Je dois encore le bomber. Et donc là, c'est avec les bâtons de glace. J'ai vu ça sur un réel. Arrête ! Sur un réel Insta que je vous mets, j'ai juste changé moi la disposition pour en faire un carré et pas deux rectangles comme elle a fait. Je vais le bomber en noir et coller des strass par-ci par-là. Donc ça, vous verrez le rendu fin de semaine. Enfin, dans la semaine quoi. Et là, il faut que j'achève aussi les gugus de chat pour son examen. Donc ça va être principalement ça aujourd'hui et le ménage. Donc, comme ça, je fais par étapes parce que je ne sais pas faire tout d'un coup. Qui se balade quelque part ou alors qui est accroché quelque part. T'es accroché ou pas? Montre à maman si t'es accroché. Non, c'est bon, c'est bon. Et les deux petits se battent. Là, le 16, donc on va. Donc attendez, le 16, c'est quand pour vous? C'est jeudi qui vient. Donc j'ai rendez-vous chez le rhumatologue et le matin, on va avec Silver chez le veto pour son rendez-vous pour la pré-castration. Alors, Sam a les deux oreilles bouchées. Donc, si vous avez des astuces certifiées, hein, pas n'importe quoi non plus, hein, que je ne mette pas n'importe quoi dans ses oreilles, mais il a les deux oreilles bouchées et j'ai téléphoné hier pour prendre un rendez-vous chez l'ORL, qui le suit. Ouais. J'ai pas rendez-vous avant le 9 août. Et là, je viens de prendre un rendez-vous chez le médecin généraliste, mais il n'y a pas de place avant le 22. Voilà. Donc, j'aimerais bien essayer quand même un peu. Là, il va refaire ce soir avec l'eau oxygénée. Donc, ça, c'est une astuce que l'ORL nous avait donnée, hein, de faire de temps en temps, pour bien nettoyer en profondeur et tout ça, mettre de l'eau oxygénée, laisser agir 10 à 15 minutes, et puis rincer abondamment, hein, parce que ça peut brûler la peau. Mais là, il l'a refait et ça n'a pas forcément fonctionné. Mais j'ai refait là encore une fois. De toute façon,
autant tenter, vu que il faut attendre 15 jours avant d'aller chez le médecin. Donc voilà. Et voilà, hier j'ai commandé sur Nocibé, c'est Manon qui m'a dit qu'ils étaient dispo, la nouvelle collection Essence Disney, Essence Écatrice, qui est sortie. Il y a Little Pony qui est sorti sur Boozy Shop, mais pas encore la Disney. J'ai juste pris les deux blushs Essence, hein. Vous savez que j'achète que les produits teints chez Essence, j'achète pas les palettes, bien qu'elles soient très jolies, hein, mais je les achète pas, je suis pas fan de la qualité. Donc j'ai juste pris les deux blushs, il y a un Simba et un Nala, qui était le nom de mon chien quand j'étais petite. Là aujourd'hui je reçois aussi une commande Amazon que j'ai fait, parce que moi j'utilise ça, je ne sais pas si vous connaissez, arrête de fouiller dans mes affaires, les blocs purs de menthe comme ça en bois. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'utilise ça pour quand j'ai mal la tête, j'utilise très peu de médicaments, donc j'utilise ça. Bon là, il est en bout de vie, hein. Donc vous avez une grosse pierre comme ça de menthe, je frotte ça sur mon front et ma nuque, et souvent je m'enveloppe encore en plus la tête dans un bonnet ou une écharpe en polaire pour que ça chauffe bien, parce que ça chauffe, hein, faites gaffe à vos yeux. Et j'utilise que ça en fait pour mon mal de crâne, et j'achetais ça dans la parapharmacie du Auchan, sauf qu'ils ne le font plus. Donc là j'en ai plus moi. Et je viens d'en trouver sur, j'en ai trouvé sur Amazon. Attendez, je vais vous donner le prix tout de suite. J'ai acheté un lot de 3 directement, hein, parce que j'ai payé 36,54€ les 3. Donc ça revient à peu près au même prix que je les achetais. C'était déjà une dizaine d'euros à l'époque, hein, parce que là ça fait un moment que j'en avais pas racheté, puisque je les achète toujours par 2 ou 3 et ça dure quand même assez longtemps. Donc en principe j'en ai acheté 2-3 par an. Voilà, enfin j'allais en acheter une fois par an. Je suis toute luisante avec mes soins. Et là, 36,54€, donc ça fait 12€ pièce, c'est à peu près le tarif. Donc voilà, je suis contente, du coup j'en ai pris 3 d'un coup. Et j'ai mon colis Madame Glam qui arrive aux douanes, donc encore un colis que j'ai pas payé, et 30€ de frais de douane. Voilà, heureusement qu'il me rembourse, moi je vous le dis. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah d'ailleurs, je vais me mettre un peu de menthe parce que je commence. Ça doit être l'éclairage qui me fait mal la tête. En ce moment, j'ai tout le temps mal la tête, je suis pas bien. Je crois que je suis en train de tomber malade. Et puis les chiens m'énervent aussi en ce moment. Ils sont. Difficile. Ils font que rentrer et sortir. J'arrête pas de me lever pour ouvrir la porte. Parce qu'en fait, Riley veut jouer à l'intérieur. Ryan veut jouer dehors. Donc, ils grattent l'un l'autre. Elle gratte pour faire rentrer Ryan. Lui, il gratte pour faire sortir la petite. Mais à chaque fois, je me lève pour ouvrir la porte pour voir s'il y en a un ou l'autre qui veut rentrer ou sortir. Et je fais que ça, et je n'en peux plus. Donc là, le gros, il est dans le couloir, puisqu'il y a la plaque dans les escaliers. Donc je vais essayer de nettoyer un petit peu. Il y a un titi qui est en train de manger, ça doit être Silver. Enfin, cette heure-ci, c'est toujours Silver qui est réveillé. Il faut que je fasse leur cage aussi. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être ménage, rien de passionnant. Et je vais alterner entre ménage et bricolage pour être assise de temps en temps, parce que je peux pas faire tout d'un coup. J'ai hâte de voir le rhumatologue jeudi prochain. Enfin, jeudi qui vient là pour moi. Non, jeudi qui vient pour vous. C'est long, hein. Le délai a été très long aussi. Mais j'ai hâte de le voir pour avoir un peu des réponses et voir si on peut faire quelque chose pour les douleurs, parce que c'est fatigant d'avoir tout le temps mal quelque part. C'est extrêmement fatigant. Elle boit mes paroles. Elle regarde l'éclairage. Ah, t'admires les photos des filles et de moi. Ah bah oui, c'est tata Manon, tata Amy, maman. Oui, oh, t'as reconnu les filles. Oh, les filles, vous lui manquez. Elle est coincée devant votre... Elle a bugué devant la photo. Ah bah oui. Alors, à mon avis, elle regarde plutôt les jouets des titis en se disant « Ouh, ça, je croquerai bien dedans. » Bon, allez, sur ce, ben, je pense qu'il ne va rien se passer d'extraordinaire. Demain, j'ai ma bague Pandora qui arrive, mais elle arrive chez mon frère, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais la récupérer. Surtout que j'ai ma Key Beauty qui arrive là-bas aussi, donc je ne vais pas faire courir mon frère deux fois pour le colis. Enfin, pour les colis, donc je dirais qu'il attend qu'il y ait les deux. J'espère que ma Key Beauty arrivera fin de semaine. Et comme ça, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Je suis gratte les oreilles. Et ben voilà. C'est pas l'heure d'aller à la sieste encore. Hein. Il est que 10h. Hein.
Bon, allez, sur ce, on switch le jour. Alors, il est 8h32 et je me prépare pour aller filmer. Je n'ai plus qu'à me coiffer. J'ai fait mon teint. J'ai froid. Je suis gelée. Il neige. Vous avez vu, je vous ai montré. Je vais assister à une scène quand même totalement improbable. Je vais me coiffer en même temps. Il y a une voiture qui s'est arrêtée avec 4 ou 5 jeunes noirs dedans. Et ils se sont arrêtés devant chez les voisins. Comme ça. Alors qu'il y a plein de neige sur la route. Hein, donc c'est hyper dangereux. Ils se sont arrêtés et ils ont commencé à filmer la neige et à faire une bataille de boules de neige. Voilà, tout ça en gênant toute la circulation, hein, à 8h au matin où c'est l'heure des écoles et tout ça. Rien à foutre, ils ont une bataille de boules de neige devant chez le voisin. Et après, ils ont commencé à faire demi-tour en plein milieu de la rue. Donc ils étaient comme carrément en perpendiculaire à la route. J'ai pas tout compris, mais moi j'étais morte de rire ici. J'ai regardé s'amuser avec la neige, on aurait cru des enfants. Ils étaient pas très vieux, hein. Bon, ils devaient quand même avoir une petite vingtaine, moi, je pense. Mais bon, respect pour mettre en danger la vie des autres, quoi, parce que une voiture qui arrive derrière, pas de feu clignotant, rien en plus, hein, ils se sont arrêtés comme ça. Rien à foutre de la vie. Bon, ça m'a fait rire. Voilà. Et donc, hier, j'ai l'ORL qui m'a téléphoné parce que, voilà, ça m'est suivi depuis qu'il a... Il s'est fait opérer à quel âge? 2 ans? 3 ans? 3 ans, je crois. Donc, il est suivi par le même ORL depuis qu'il a 3 ans. Et là, elle voulait le revoir en urgence. Donc, elle m'a téléphoné hier. Je venais de monter me coucher à la sieste. Et elle voulait le voir absolument cette semaine, donc elle me dit « j'ai une place demain matin à 9h40 ». Ben, j'ai dit « là, c'est juste impossible, quoi, puisque faut que chérie puisse soit prendre congé, soit s'arranger, soit se mettre en télétravail, mais je peux pas le prévenir à la dernière minute comme ça, quoi ». Donc elle me dit « ben, vendredi à 14h ». Bon, ben, pas le choix, hein. Après, je préfère ça plutôt que d'attendre le mois d'août. Entre-temps, j'avais pris rendez-vous chez le médecin traitant, donc... qui était dispo que... Il faut vraiment que je fasse mes racines. Hein. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire mon recourbement de cils. Bref, c'est pas le sujet. Donc, j'ai annulé le rendez-vous du médecin traitant. Tout un bordel. Donc, vendredi, il faudra que chéri quitte à midi, puisqu'on il a un rendez-vous à 14h... 14h ? Ouais, 14h. 14h30, je sais plus. Enfin, bref. Pas une demi-heure près. Et repasser chercher Georges à l'école et ensuite aller chez lui. C'est tout un bordel. Mais je préfère ça, au moins on sera fixé avec ses oreilles parce qu'on ne peut pas laisser traîner, sinon ça va être de nouveau l'opération. Et là, je pense que aujourd'hui ou demain, grand max, je reçois ma commande Nocibé, donc les deux blushs. Essence. J'ai pas beaucoup dormi. Hein. Déjà hier, Riley m'a pas laissé faire la sieste, parce que madame a décrété qu'au bout de 15 minutes de dodo, c'était assis qu'elle était en forme pour jouer, et faire des bisous et des gâtés. Donc j'ai déjà pas fait de sieste hier, et cette nuit, je dors très mal en ce moment. Je sais pas à cause de quoi, je sais pas si la pleine lune arrive. Ah bah attendez, j'en vais regarder sur mon agenda. J'ai les phases de la lune, non, agenda, je dis. Ah, c'était à pleine lune hier. Moi, je comprends mieux pourquoi j'ai pas dormi. J'ai aujourd'hui ma bague donc, qui arrive chez mon frère, hein, ma bague Pandora que j'ai commandée avec les sous que mes beaux-parents m'ont donné pour mon anniversaire. Je pense pas la récupérer avant ce week-end. Donc ça, vous verrez que la semaine prochaine. Et là, je vais donc aller tourner le premier Alphabet Challenge. Donc je vous en avais parlé la semaine dernière, je crois que je vous ai mis le réel, je vous le remets en barre d'infos, je ne sais toujours pas retenir son nom. Pourtant je l'adore, je la suis depuis un certain temps. Et du coup,
la lettre A, ça sera arabesque, voilà, mais je vous spoil pas le make-up, hein, je vous spoil le thème, mais pas le make-up, donc voilà, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça en sous-vlog, je crois, mais j'ai trouvé l'idée géniale, puisque hein, les arabesques, je crois que ça me représente assez bien. Et pour le B, je ne sais pas, par contre, C, je viens de décider, moi, ça sera cabaret, voilà, j'ai envie de faire un make-up cabaret, et donc je ferai ça en C. Par contre, je ne les ferai pas tous en vidéo. Hein. Je pourrais très bien en faire en réel slash short. Hein, que, de toute façon, vous aurez ici. Sauf que comme je vous l'ai déjà dit, les réels, vous les avez plutôt sur Insta et sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre. Vous avez les liens en barre d'infos. Puisque sur les shorts, je les case quand j'ai pas de vidéo en fait. Parce que j'ai essayé à les poster soit le matin ou à midi. Et ça fait pas de vue, il faut vraiment que je les poste le soir, donc c'est que quand il n'y a pas de vidéo du coup. Mais du coup je les case par-ci par-là quoi. Je sais pas si je fais un chignon ou une queue de cheval froufrouteuse avec mes vieilles tresses là. Enfin le reste de mes vieilles tresses. Donc ça fait un peu trop choucroute. Hein. Je vais faire un chignon. Donc voilà, comme ça vous savez. Dans la vidéo pour la lettre A, je vous demanderai pour la lettre B. Quoi que je me demande si je ne vais pas vous demander plusieurs lettres déjà sur Insta, puisque je vais en faire, comme je vous l'ai dit en réel. Là, je suis un peu pâle hein, quand même. Je vais essayer de diminuer l'éclairage. Attendez, je ne vois pas le moins. Un peu mieux peut-être là, non? J'en fous, c'est un vlog. Donc voilà. Moi, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire à part l'ORL et donc. Ah si, ce matin, j'ai refait une commande AliExpress. J'ai recommandé déjà, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, j'ai oublié de vous le dire, des moules en silicone. Donc j'attends ma licorne qui ne devrait pas trop tarder à arriver, hein, de profil, là que je vous avais dit. Et j'ai commandé déjà pour Halloween et Noël. J'ai aussi commandé un cupcake et un papillon. Voilà, ça me plaît bien de faire ces bricolages-là. Il faut juste que je trouve de la meilleure peinture parce que là, c'est un peu agaçant. Et ouais, sur AliExpress, j'ai recommandé ce matin des vernis 4 size. Je suis tombée sur des magnifiques. Et vous connaissez mon addiction au vernis 4 size. Donc du coup, j'ai commandé toutes les teintes qui étaient dispo, mais ils étaient vraiment pas bien chers. Hein. Je vous les montrerai, on fera les swatchs ensemble quand je les aurai reçus. Ça m'énerve ces petites mèches d'oreilles là. Mais celle-ci, elle tombe bien quand je la mets comme ça devant, mais l'autre, elle est un peu trop longue. Faudrait que je la coupe. Donc, là j'ai réussi à en accrocher quand même. Donc, je vais laisser comme ça. Non, c'est celle-ci qui est trop longue, elle repique sur ma joue, ça m'énerve. J'ai pas envie de sortir mon lisseur pour une mèche. Hein. Bon allez, ciseaux. On va ranger ça. Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà. On arrange les cheveux comme on peut, hein, les gars. Je vais jamais chez le coiffeur. Très rarement. En principe, j'y vais quand je paye pas. Quand quelqu'un a besoin de moi pour une tête, pour un entretien d'embauche ou un examen d'école. Donc en principe, j'y vais que quand je paye pas. Mais là, j'ai de nouveau plus envie de couper mes cheveux. Donc je sais pas. Franchement, dans le genre, mamie, elle sait pas ce qu'elle veut. Je suis une championne pour ça. Je crois que vous savez.
Voilà. Je suis coiffée. Écoutez. Ouais, j'avais rien d'autre à vous dire. C'est pas un vlog très intéressant cette semaine. Hein. Je vais remettre mes binocles, sinon je vois que dalle. Ça repique quand même un peu à droite à gauche. Oh, faut vraiment que je fasse mes racines. Oui. J'ai toujours l'impression, pourtant ça fait joli, ça fait classe, hein. J'ai toujours l'impression que ça fait des poils qui sortent des oreilles quand je fais ça. Dites-moi si vous aimez bien ou pas. De toute façon, je vais certainement finir par les foutre quand même derrière mes oreilles. Hein. Voilà. Je n'avais rien d'autre à vous dire. Hier, j'ai regardé... La France a un incroyable talent. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, nous, on les a plus tard que vous. Et j'ai pleuré. Beaucoup pleuré. Parce que il y a eu, pour ceux qui suivent et qui savent de quoi je parle, il y a eu d'abord... Les petites mamies qui sont venues chanter un EHPAD là, et j'ai trouvé ça tellement beau. J'étais émue, je pleurais. Bah, de toute façon, ils pleuraient tous, hein, les jurés. Voilà, quand Marianne elle est émue. En principe, quand vous voyez, si vous suivez l'émission et que vous voyez Marianne avec les larmes aux yeux, vous pouvez être sûr que moi de mon côté je pleure aussi. Et quand il y a eu le Golden Buzzer aussi pour le petit jeune là, qui s'appelle Enzo en plus, comme mon fils. Mais son truc était incroyable, incroyable. Il faisait du cerceau aérien là, mais avec de la contorsion, du très émouvant aussi. Bref, je ne fais que chialer. Je me marre bien, hein, mais je chiale beaucoup devant la télé. C'est pour ça que je regarde jamais la télé. Enfin, quoi que j'arrive à pleurer devant mon PC aussi, hein. Et j'avance dans Esprit criminel, j'allais dire non, ça j'ai fini, il faut que je regarde les nouveaux par contre. Mais je suis dans le mentaliste, dans les bras du mentaliste, de préférence. Je suis à la saison 5, je viens de commencer à saison 5, je crois. Bon, je vais vérifier en bas. Je vous raconte ma vie, on s'en fout. Hein. Ouais, saison 5, épisode 5 déjà, donc je suis en train de bien me les avaler là. Mais comme je fais beaucoup de bricolage, ben je regarde en même temps que je bricole, hein, puisque je passe ma vie à mon bureau, ou dans mon lit, voilà, suivant... Suivant si je suis fatiguée ou pas, enfin suivant l'heure de la journée ou pas. J'adore ce top, mais ça m'énerve là. Ici, ça fait une. Il faudrait que je fasse un point de couture pour qu'il te reste bien droit. J'ai fait une tache de fond de teint, bah, bien sûr, comme toujours. Quelle idée de faire son teint et puis seulement de s'habiller après. Hein. Mais c'est pour pas me foutre de la poudre partout, mais au final, je me fais du fond de teint, donc l'un dans l'autre. Donc voilà. Ouais, à part si je reçois mes blushs aujourd'hui, je vous les montrerai. Mais ça m'étonnerait parce qu'il est toujours pas marqué en livraison. Mais ça peut encore changer vers 9-10 heures. C'est colis privé cette fois-ci, donc je ne sais pas. J'attends Focalure aussi, qui devrait pas trop tarder à arriver. Et Madame Glam aussi. Alors, j'ai encore eu 30 euros de frais de douane. Hein. Merci les douanes. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit sous la vidéo. Madame Glam. Donc, vous avez toutes les infos en barre d'infos hein, avec la partie code promo et tout ça. Le code promo est donc de 30%. Hein, donc, ça vous paye largement les frais de douane puisque la personne m'a dit qu'elle, en principe, elle, en France, elle en avait pour 14 euros de frais de douane. Moi, j'en ai une fois pour 41 et une fois pour 30 euros. Donc, mais bon, c'est la Belgique. Hein, vous comprenez bien qu'ils mettent des taxes sur tout. Donc, ils vont pas se priver de faire payer des frais de douane à un colis que vous n'avez pas payé. Hein. Ils s'en foutent un petit peu. Hein. Mais bon, voilà, vous savez que la personne-là m'a dit qu'à chaque fois qu'elle recevait, elle est en partenariat avec eux aussi, à chaque fois qu'elle recevait un colis de chez eux, elle en avait à peu près pour 14 euros de frais de douane en France. Donc le code promo de 30% vous paye largement vos frais de douane et ils valent largement le coup. Hein. Les vernis, top. Il a arrêté de neiger. Ah, il a découvert la neige ce matin. C'était drôle.
D'abord, elle en avait peur, elle n'osait pas marcher dedans, puis après, elle courait en frottant son nid. Bon, et là, elle dort. J'espère qu'elle va dormir en haut aussi, parce qu'elle va me suivre dans le bureau, ça c'est un fait. Bref, bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer les bestioles cette semaine, hein, parce qu'ils hibernent. Mais il fait plus frais, hein, de nouveau, donc je les vois de nouveau moins. Les chichous, hier, je les ai fait sortir, vu que j'ai pas fait de sieste, à 1h30, jusqu'à 6h30. Et ils sont peut-être sortis une demi-heure, hein, de la cage. Hein. Tout le reste du temps, ils étaient dans la cage en train de dormir. Hein. Donc, ils sont pas... Faudrait que je le rouvre à 5h au matin. Là, ils sont en forme aussi. Hein. Ouais, là, ça dort. Là, ça dort. Là, ça dort. En haut, ça dort. Ça dort partout chez moi. Il n'y a que moi qui suis... Enfin, chérie, au bout, mais... Il y a moi qui suis réveillée à ce soir. Comme d'hab, mais j'adore me lever tôt. Aujourd'hui, Sam n'a pas école le mercredi et pourtant je suis réveillée depuis 6h30 comme si j'avais eu le réveil. J'adore me lever tôt et il faut absolument que j'achève les bricolages, les gugus là, de chat aujourd'hui, comme ça si Enzo part demain ou après-demain, il peut lui ramener. Et j'ai commencé des décos en plâtre pour le cadeau d'anniversaire de ma belle-sœur, avec un truc en plus, hein, bien évidemment. Et pour l'anniversaire de Marie aussi. Je vais faire des petits DIY aussi pour te les envoyer à temps pour ton anniversaire. Faudra juste que ouais, je rajoute un petit cadeau, mais je sais pas quoi encore. Donc je vais réfléchir à ça. Et voilà. Donc ça sert plus à rien que je blablate pour rien vous dire. Donc ben, je pense qu'on peut switcher de jour. Sauf si je reçois mes blushs, ou alors je vous les montre demain, comme ça on en teste un directement demain, je sais pas, on verra bien. Alors, il est 8h26 et je suis en train de faire mon teint pour refaire la vidéo d'hier, puisque hier je l'ai pas fait. J'ai fait mon teint et j'ai bricolé, donc après j'étais crevée, donc j'avais pas beaucoup dormi. Ça y est, je pars. Tu vas faire tomber mon cendrier. Je pars, elle vient voir ce qui se passe. Donc du coup... Voilà, je vais filmer ça aujourd'hui. Là, je vais tester avec vous les blushs, puisque j'ai reçu les blushs essence. Donc, j'avais pris aussi, il en restait plus qu'un en stock, donc je l'ai pris, le Glam & Doll, comme ça, de chez Catrice. Voilà, c'est celui-là. Bon, je vous le montre à l'envers, c'est pas grave, je crois. Non, il est à l'envers. Enfin, bref, je l'ouvre pas, je viens de terminer l'autre, et j'en ai d'autres d'entamer. Donc, voilà, mes gros coups de cœur sur ce mascara. Et j'ai donc reçu les deux blushs essence. Le roi lion, trop mignon. Donc il y a Simba et Nala. Et il y en a un, c'est Can You Feel the Love Tonight. Donc du coup, je n'arrête pas de chanter ça. Ici, c'est Remember Who You Are. Souviens-toi qui tu es. Et il est trop beau. Magnifique. Après, c'est genre, totalement le genre de teinte que j'adore. Les blushs collection Disney Essence, j'achète d'office parce que j'adore ces blushs. Et je trouve ça très beau d'avoir la collection Disney comme ça. Voilà. Et je pense qu'on va tester le Nala aujourd'hui parce que j'adore la teinte. C'est entre le vieux rose et le nude. Donc voilà. Donc, je vais quand même essuyer un peu mon pinceau parce qu'il y a des petits poils dessus. Et il sent bon. Enfin, ils sentent bon, je sais pas. Je pense qu'ils sentent la rose. Ouais, j'ai l'impression que c'est de la rose. Oh, j'adore. Ah, je suis contente. Après, j'achète pas les palettes d'yeux, hein, vous le savez, parce que je suis pas une grande fan de la qualité de fard essence. Elles sont très belles, mais... c'est des palettes que j'utiliserai pas, donc ça sert à rien que j'achète juste pour avoir la collection, quoi. Ah, j'aime beaucoup. De toute façon, ils iront dans ma rotation, dans ma prochaine rotation, que je pense que je vais bientôt filmer d'ailleurs, moi, parce que j'ai envie de changer mes produits. Donc vous l'aurez peut-être un peu plus tard, mais voilà. Donc il me reste plus qu'à mettre mon highlighter sur mes pommettes et sur mes yeux aussi pour aller avec le make-up. Et je vais vous montrer après. Non, je vais vous montrer maintenant d'ailleurs les DIY. Je vais d'abord mettre mon highlighter.
que j'ai fait hier encore. Donc je prends le petit fard Focalure que j'adore. Je devrais recevoir ma commande, enfin ma commande, mon colis Focalure aujourd'hui ou demain. Madame Glenn, je pense qu'il va pas tarder non plus. Et aujourd'hui ou demain aussi, Maki Beauty qui arrive chez mon frère. Donc il faudra juste après que je le récupère chez mon frère. Peut-être ce soir s'il arrive aujourd'hui, sinon ça sera pour la semaine prochaine et vous verrez ça la semaine prochaine. Enfin pour ce week-end et vous verrez la semaine prochaine. Donc je vais mettre ça aussi sur mes yeux. Ah, cette nuit j'ai rêvé d'un superbe make-up. Donc il rentre totalement dans un des thèmes alphabet. Donc je l'ai noté pour alphabet. Voilà, vous voyez que ce fard, il est canon, je vais en mettre un petit peu en coin interne. Je fais ça avec le pinceau silicone parce que c'est le seul que j'ai en bas qui peut faire ça. Voilà. J'adore cet highlighter. Enfin, c'est pas censé être un highlighter, mais j'adore en highlighter. Et on fera paupières aussi. Hein, mais... Donc, je vais vous chercher mes petits DIY. Donc, j'ai terminé les papillons. Et je viens de voir que les antennes sont encore cassées à la gueule. Donc, il faut que je trouve une astuce. Donc, j'ai crocheté une bande juste comme ça de laine noire pour mettre autour pour cacher le côté du carton. Et je trouve ça très beau. Ça ira très bien dans mon fond d'été. Et alors j'ai fait des, comme je vous ai montré, je suis vraiment jaune ici avec cet appareil-là. Hein. Si, attendez, si je mets en froid le... Ah oui, c'est mieux. Après j'ai les ampoules qui sont oranges là, au salon, donc c'est ça le fond orange. On s'en fout. Donc avec les bâtons de glace, je les ai bombés en noir et j'ai collé des strass par-ci, par-là. Donc ça c'est pour moi. Avec des strass bleus et cristallins, comme ça. Je voulais faire en vert, mais j'avais pas assez de strass vert. Ouais, comme quoi, hein, tout arrive. J'avais pas assez de strass vert. Et les plus petits que vous voyez ici, enfin, il y a plusieurs sortes. Hein, mais c'est ceux, vous savez, avec la colle noire. Donc, je les ai chauffés avec une bougie et j'ai collé. Et ça tient bien. Les autres, je les ai collés au pistolet à colle. Et voilà, ça, c'est pour moi. Je pense que je vais le mettre là, à la place de la tête de Bambi. Hein. J'ai fait celui-là pour ma petite Manon. Un Rosimov. Et je vais faire un pour Amy aussi, mais il faut que je refasse avec les bâtons. Et celui-là pour Maris. En rose et orangé. Voilà. Donc ça, il faut que je trouve un carton assez grand pour le mettre à plat, pour pas qu'il se casse quand je lui envoie. Donc Maris, j'espère que ça te plaît. Manon aussi. Et celui d'Amy, je vais certainement le faire ce soir, je pense. Puisque là, je dois terminer mes trucs en plâtre pour ma belle-sœur et pour Maris. Et enfin, je dois les faire déjà, et puis après les bomber. Donc le plâtre, ça prend 5 minutes à appliquer, on va dire 10 minutes. Mais après, il faut le temps de bomber et que je dois bomber plusieurs fois et tout ça. Donc, en principe, je sais les assembler qu'un jour ou deux après. Et là, je vais monter, donc filmer. Et je vais vous prendre au téléphone rapido pour vous montrer aussi. J'ai reçu mes rangements acryliques hier de Vinted que j'ai acheté sur Vinted. Et j'ai de nouveau réorganisé tous mes rouges à lèvres. Voilà. Passion rangement rouge à lèvres en ce moment. Hein. Et... je vais essayer de ranger mon bureau aussi. Un de ces quatre. Là, je crois que je vais aller me refaire un petit café parce que je n'ai pas ce que faire. J'en ai plus d'ailleurs. Là, c'était le fond qui était tout froid. Et voilà. Donc, je vous reprends quand je suis en haut pour vous montrer les rangements rouge à lèvres.
Et donc voilà ce que donnent mes petits rangements. J'aime beaucoup. Voilà, il me reste du coup deux comme ça, dont un qui est cassé, mais ça c'est pas très grave. Donc, on va partir par le début. J'ai mis ceux-là ici qui ne rentrent pas dedans, donc le Huda, le Jeffrey, les ABH et le Bulm Huda Beauty. Là, c'est toujours mes liners, comme c'était avant, mes liners pailletés, mes fards pailletés. Ici, il me reste plus dans les tiroirs en rouge à lèvres que les focalures et puis ceci, quoi, voilà. Les jumbo focalures. Et ici, en dessous, j'ai mis mes paillettes, donc mes paillettes libres et mes paillettes en gel. Et j'ai mis mes deux fards Corazonna parce que je ne savais pas trop les mettre. Et j'ai réussi à faire un rangement avec tous mes Jeffree Star et j'ai même pu ajouter les Melty derrière. Ici, il y a le Sephora, le Sub-Zero et un autre Melty mini. Mais voilà, j'ai tous mes Jeffree Star regroupés et tous mes Melty regroupés. Je suis contente. Ici, on a les Huda Beauty, enfin les mini Huda, mini Anastasia MAC, encore Huda, Huda. Ici, il reste la place pour les trois focalures que je vais recevoir, puisque après, on a tout du focalure. Révolution. Derrière, c'est mes gloss. Voilà, ça, j'en ai pas des masses. Ici, j'ai mis principalement. Il y a le Joli, KVD, ça, c'est un mini, Line Crème. Enfin, c'est des marques que j'ai à peu près qu'un exemplaire. J'ai deux Kylie, deux Martine, deux Essence ici. Les trois OPV derrière. NYX Révolution, ça c'est Shiglam, vous voyez pas bien. Ici on a Corazonna qui est très bien. Ici c'est Shiglam encore, ça aussi c'est Shiglam, je crois. Non, c'est Ofra. Le Shiglam il est ici. Et ici on a mes rouges à lèvres raisin, donc voilà, ça j'en ai très peu parce que je sais pas ce que j'utilise le plus. Mais voilà, je trouve ça très bien rangé. Et là du coup, la boîte de la XX Révolution, je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir comme ça d'une main, j'ai mis mes mascara, liner et tout ça que j'utilise tous les jours. Comme ça, j'ai plus qu'à prendre la boîte puisque je ne sais plus prendre mon tiroir avec mon setup. Je vous montre. Normalement, je les mets tout dans le tiroir là, mais pour pas tout bouger à chaque fois. Et voilà. Après, en rouge à lèvres, il me reste ceux-là que je dois utiliser. J'ai quand même mis les deux Jeffree Star que je dois terminer. Je les ai mis ici parce que voilà, pour pas faire de trous dans mon rangement Jeffree Star. Vous voyez, les obsessions de mamie, on cherche pas à comprendre. Bref, allez, sur ce, on suit le jour. Alors, il est 7h55 et je me prépare pour aller filmer. Ce soir, je fais mes racines hein, parce que là, ça va plus du tout. Donc, il me reste plus qu'à me coiffer puisque je dois faire tout mon teint. C'est le crash test focalure que je tourne mais que vous aurez que mercredi 22. Voilà, tout simplement. Donc je dois vous donner le planning, clôturer ce vlog et vous montrer, j'ai reçu mes VSP hier, j'ai déjà tourné la vidéo de chez Madame Glam. Donc bien sûr, vous aurez donc la vidéo puisque je viens de vous dire que j'allais tourner la vidéo. Oh là 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 là. Alors, on va commencer par montrer les VSP. Et voilà. Donc comme d'hab, je les reçois dans une petite boîte comme ça et emballé dans un sac plastique. Alors attendez, parce que j'ai mis le top coat avec. Ah, ça faut que je monte. Donc c'est celui-là. Celui-là. Comme ça, vous avez déjà les noms et vous pouvez, si vous voulez, commander. Donc je vous rappelle qu'avec mon code, vous avez 30% de réduction. Ce qui paye largement. Ah, il est décent. Largement les frais de douane. Et voilà, puisque les frais de douane, c'est la TVA, plus une petite taxe, mais chez vous, elle est moins chère que chez nous. Hein, voilà. Et que j'ai eu un réel coup de cœur pour ces vernis-là. Ils sont vraiment topissimes. Ah, j'adore. Alors, j'avais le choix, vu que c'était pour un nail art printanier dans les couleurs pastel. Et il n'y avait pas que du pastel hein, dans la sélection qu'elles m'ont envoyée. Mais j'ai d'abord pris deux unis. Enfin, unis. Classique quoi. Donc j'ai pris le Hailey Miu qui est un vert lime pastel. Il a vraiment un problème de focus cet appareil. Hein. Donc j'espère qu'il fait bien le focus. Voilà, et je m'en suis servi pour faire des petites fleurs vertes. J'ai pris le Carabine C. Il est magnifique celui-là. C'est un espèce de
turquoise comme ça. Ouais, c'est un turquoise quoi, de toute façon. Que j'ai mis ici et j'ai fait les petites fleurs sur le vernis holographique. Ensuite, j'ai pris le Pastel Dream. Alors, c'est un rose avec des... C'est pas vraiment des petites paillettes, c'est des petits points noirs qu'il y a dedans. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est très beau. Et ça, sur l'ongle tout seul, ça doit faire son effet. Moi, je m'en suis servi juste pour faire le pistil des fleurs. Et gros coup de cœur sur celui-ci, évidemment. C'est un holographique. C'est le Bubble Bath. Il est canonissime. Et c'est celui que j'ai mis en dessous des deux ongles ici. Voilà. Trop beau. Et franchement, ces vernis, c'est de la bombe atomique. En une couche, ils sont... Ah, je viens de voir que j'ai pochetté mon vernis ici. En une couche, ils sont opaques. Moi, j'en mets quand même une deuxième pour bien les lisser. Mais bon, pas l'holographique. Hein. L'holographique, si vous ne mettez pas de base colorée en dessous, il faut insister un peu plus. Mais j'ai juste mis deux couches. Hein. Ils sont géniaux. Franchement, géniaux. Je crois que c'est les meilleurs VSP que j'ai testés jusqu'à maintenant. J'en suis ravie. Donc, je suis bien contente de cette petite collab. Et voilà. Donc là, il faut que je fasse une tresse. Hein, parce que... Mes cheveux, ils ressemblent plus à rien, je les ai pas lissés, j'avais fait une tresse, enfin des tresses pour dormir, donc au bout de 2-3 jours, ça ressemble plus à rien. Donc je vais faire une tresse sur le côté. Et voilà pour ça. Alors, je vais vous donner le planning, comme ça on pourra se dire au revoir et à la semaine prochaine. Lundi, le crash test Corazona. Donc j'avais commandé hein, tous les produits Corazona qui me tentaient sur Maki Beauty. Mercredi, le swatch and make-up de la Sigma Alice in Wonderland avec Manon, puisqu'on a dû la décaler un peu, hein, puisqu'avec ses petits soucis perso, elle n'a pas pu la tourner plus tôt, donc, mais vous l'aurez mercredi. Donc ça sera un autre fond, parce que moi j'avais tourné à l'avance, mais c'est pas très grave. Et vendredi, l'Alphabet Challenge avec la lettre A. Il faut encore que je fasse le montage. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en vidéo. Hein, parce que, bon, moi, je vois mieux mes make-up quand je fais le montage. Puisque là, j'ai mes lunettes et tout ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc, dimanche, le vlog. Et voilà. Il douche. J'ai reçu mon colis Focalure aussi. Donc, là, c'est ce que... Je crois que je viens de vous le dire. Hein. C'est ce que je vais aller filmer. Et voilà. Donc j'ai hâte de tester ces petites choses. Donc là je vais me coiffer gentiment, doucement, tranquillement. Et aller filmer ça. Je dois faire l'intro outro de la vidéo de VSP. Faut que je recherche mon appareil parce qu'il n'y a plus de batterie. Et ben je vais faire ça en me préparant doucement. Je vais le recharger un petit peu. Le temps de faire mon intro, le temps de pour aller faire l'intro outro des vidéos. Et je le rechargerai tant que j'achèverai mon teint, puisque chez Focalure, j'ai juste le fond de teint et l'anti-cerne à tester en teint, donc je ferai le reste en bas. Et voilà, donc sur ce, déjà avant tout, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de toute façon, on se retrouve demain en vidéo, et je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.